La meilleure façon de sourire, c'est encore la vôtre, mais devant l'objectif d'un appareil photo, il y aurait une astuce imparable pour décrocher le plus beau sourire. Selon une étude, c'est les Français qui ont la meilleure solution avec un mot magique. Marc Pierronnet, Valérie Gébel et Émilie Loubins. Devant l'objectif pour déclencher un sourire, chaque pays a son mot favori. Oui, Titi! Watch the world! Kijk naar het vogeltje! Marmolada! Formaggio! Cheese! Ouais. Et pour faire sourire, la particularité nationale a toute son importance. Formaggio! On traduit le mot cheese en anglais et on dit formaggio! En Slovaquie, cheese se dit cire et on peut même y mettre la forme. Cire! Cire, c'est le meilleur mot pour sourire. Alors, quel est le mot magique du sourire? Un fabricant d'appareils photo s'est posé la question. Il a comparé 26 locutions européennes sous le contrôle d'un linguiste. Le test, 5 prises de vue au moment de la prononciation. Et au final, il n'y a pas photo. Exemple avec en haut le ouistiti français. En bas, le clisé, son équivalent lettonien. Résultat, parmi ces quelques petits mots... Familia. Marmolada. Patatas. C'est le ouistiti qui l'emporte, loin devant le cheese des Anglais et en troisième position, le patatas des Espagnols. Pour cette photographe professionnelle, il n'y a aucun doute. Ouistiti, c'est le magique même pour les Anglais qu'ils adorent parce que c'est la version française. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour à coup sûr avoir le plus beau des sourires. Ouistiti, ouistiti.